C'est dur à dire qui vient le premier, le mois de mai ou les expos. Mais quand la fièvre arrive, il commence à faire très beau. Ça sent bon dans les estrades, le houblon et la moutarde. Les hommes en bras de chemise, les femmes à demi assises. On ressent l'adrénaline jusqu'à la rue Sainte-Catherine. Le beau son d'une balle ronde frappé d'aplomb par un bâton. Le beau son d'une balle dure frappé d'aplomb dans les balcons. Le lanceur touche à sa casquette, le stade devient tout petit. Le bâton comme une allumette, la balle comme un grain de pluie. Carter en petit bonhomme, Steve Rogers qui prend sa gomme, l'arbitre en habit de noce, comme autant qu'on était gosses. Ça sent bon dans les estrades, on les expos rentre au stade. Le beau son d'une balle ronde frappé d'aplomb par un bâton. Le beau son d'une balle dure frappé d'aplomb dans les balcons. On n'entend rien, on agonise, les mains rivées sur le bâton. Quand on a trois balles et deux brises, le sable fuit sous les crampons. Le poussant une balle ronde frappé d'aplomb par un bâton. La voir partir autour du monde avec le génie d'un pigeon. Ce bon son d'une balle ronde frappé d'aplomb par un bâton. Balle frappé d'aplomb dans les balcons. Le bon son d'une balle ronde frappé d'aplomb par un bâton. Le bon son d'une balle dure frappé d'aplomb dans les Mesdames et messieurs, son honneur, monsieur le maire. Thank you.
Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à Montréal, ville de nos expos. J'ai pensé, en ce début de saison, vous offrir un cadeau. Un autre grand cadeau. J'avais d'abord songé à vous offrir le Titanic que nous aurions pu faire renflouer, et ce, à peu de frais, sur lequel nous aurions parcouru, ici même à Montréal, les canaux de Venise, avec les eaux entremêlées du Nil et de l'Amazone et du Saint-Laurent, en plein cœur des Champs-Élysées, pour aboutir, en fait, devant l'acropole d'Athènes, au centre de laquelle nous aurions placé, comme il se doit, la Tour Eiffel sur l'Empire State Building. Mais je crois que dans un premier temps, j'ai trouvé mieux. Laissez-moi vous offrir ce disque. Ce disque qui est tout comme un cadeau. Ce disque qui fera sa marque dans l'histoire de Montréal et dans l'histoire de nos exports. Et ce, pour des générations à venir. À l'image de la pyramide de Khéops, la muraille de Chine, sans oublier le lac des Castors du Mont-Royal. Et comme me confiait récemment Youpi, voici donc un disque qui témoigne de cette amitié éternelle pour nos expos. Pour eux, il n'y a rien de trop beau, il n'y a rien de trop gras, car une histoire d'amour, ça dure toute la vie. Une histoire d'amour, ça fait des petits. Et surtout, une histoire d'amour, ça n'a pas de prix. Merci. Thank you.
Salut Jules. Ah ben, mon Dieu, bonjour Jérôme, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Hey, j'ai du nouveau depuis que je t'ai vu. Hein? Imagine-toi que je suis devenu instructeur d'une équipe de baseball. Pas de blague. Hey, tu sais que je suis un excellent receveur, hein? Puis je frappe bien pour ça. Ah oui? Ben oui. Hey, écoute donc, ça m'intéresserait de faire partie de ton équipe. Il n'y a rien qu'une affaire, c'est que je pense que je connais pas tes joueurs. Ah, y a des drôles de noms parmi les joueurs, hein? Ah, je vais te nommer les miens. Mon troisième but s'appelle au but, mon deuxième but c'est à dénommer bonhomme, puis au premier but, il n'y a personne. Ah bon, il n'y a personne au premier. C'est ça. Ouais, mais attends une minute, toi, là. Tu sais, il n'y a personne au premier. Ça, c'est avant que la partie commence. Mais quand la partie est commencée, qui c'est qui est au premier? Quand la partie commence, personne n'est au premier but. Ben voyons, ça c'est pas debout. Je te demande qui c'est qui est au but. Au but? Au but, c'est le gars qui joue au troisième. Je te parle pas du troisième but, je te parle du premier. Bon, ça te prend un bonhomme pour jouer au premier but. Bonhomme, lui, il joue au deuxième. Je te parle pas du deuxième but, je te parle du premier but. Qui c'est qui joue au premier but? C'est personne. Personne joue au premier but. Ouais. Ben ouais, y'en a, faut que quelqu'un joue au premier. Ben ouais. Bon, ben qu'est-ce que c'est? Ben, je t'ai dit, c'est personne. T'as pas l'air de comprendre, toi. Je ne comprends rien. Je vais te poser la question autrement. Quand tu lances la balle au premier but, c'est qui attrape la balle? C'est personne. Mais si c'est personne qui attrape la balle, le coureur est sauf au premier. Non, jamais, pas avec personne au premier. Si un coureur qui court vers le premier, personne va attraper la balle, puis le coureur va être retiré. Fais ça, tu connais ça ton baseball, toi. Hé, hey, je connais mon baseball. Mais viens pas me dire que si personne n'attrape la balle, que le coureur sera pas sauf en touchant au but. Pourquoi tu fais au but, là? Au but, y a pas d'affaire là-dedans. Je l'ai dit, au but, au troisième, c'est un bonhomme au troisième. Tu m'as dit que bonhomme, il joue au deuxième. Ouais, bonhomme, il joue au deuxième. Des fois au premier, quand personne joue au deuxième. Mais quelle sorte de baseball que c'est? Vous jouez au baseball avec personne au deuxième? Oui, puis ça arrive qu'on fait jouer personne au troisième. Tu fais jouer personne au troisième? Oui, ça c'est quand personne veut pas jouer au deuxième. Mais tu peux pas gagner une partie de baseball quand t'as personne au troisième? Oui, on gagne presque tout le temps. Seulement, quand personne joue pas, là, on se fait battre à chaque fois. Ben, je comprends. Bon, enfin, il comprend. Je comprends que vous vous fassiez battre. Ce que je comprends pas, c'est ton baseball. Il va falloir que tu te comprennes si tu veux jouer dans mon club. Mais je veux bien comprendre. Dis-moi, qui est-ce qui joue à l'arrêt-court? De quoi? Je te demande qui joue à l'arrêt-court. De quoi? Écoute, tu sautes, je te demande qui est-ce qui joue à l'arrêt-court. Je t'ai dit, c'est de quoi qui joue à l'arrêt-court. Puis quand de quoi joue à l'arrêt-court, c'est un de mes contents qui joue au deuxième. Et au troisième? Au troisième, il n'y a personne. Ben oui, en a, il faut qu'il y ait de quoi au troisième. Hé, hey, laisse faire de quoi, là. Écoute, là, c'est moi qui dirige le club. De quoi, là, il jouera pas au troisième, il joue à l'arrêt-court, puis il va rester là. Mais ça prend un bon joueur, là, au troisième. Coudonc, toi, veux-tu gagner ou si tu veux pas gagner? Gagner, t'es au champ gauche, puis je veux pas le voir au troisième. Ah, puis t'appelles ça du bon baseball, toi. J'ai une excellente équipe, tu sauras. Veux-tu le savoir, le nom de mes autres joueurs? Ben oui, je veux le savoir. Écoute, commence par me dire le nom de ton champ droit. Ben, ça arrive souvent que personne joue au champ droit. Ouais, comment t'es en train de me dire que personne joue au champ droit? Oui, ça arrive quand personne joue pas au premier. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Il manque de quoi dans ton équipe? Ben non, de quoi il est toujours à son poste comme arrêt-court. Ah ouais, tu me l'as dit, ça. Alors pourquoi tu me parles de quoi? Je veux pas te parler de quoi. Alors tu veux me parler de qui? Je veux pas te parler ni de qui ni de quoi. Voyons, j'aimerais juste te parler de ton lanceur. Comment il s'appelle? Monday. Non, dis-moi son nom, le nom. Monday. Non, pourquoi tu veux pas me dire aujourd'hui? Je te l'ai dit, le Monday. Puis le nom du receveur? Friday. Ah bon, parce que tu vas attendre à lundi pour me dire le nom de ton lanceur, puis à vendredi pour me dire le nom de ton receveur. Tu comprends pas? Ce que je comprends, c'est que tu veux pas me dire le nom. Comment tu veux que je joue pour ton équipe? Je sais même pas le nom des joueurs. Je les ai presque tous nommés. Je comprends rien dans ton baseball. Calme-toi. Énerve-toi pas, je vais tout expliquer ça. Bon. OK, d'accord, je vais me calmer. Non, t'es calme, là? Oui, je suis calme. Alors on repart. On repart, pas vite. Monday, c'est le nom de mon lanceur. Friday, c'est le nom de mon receveur. Ah bah oui, tu sais, là, je comprends. Ah, il est temps. Alors, supposons que toi, qui es bon frappeur, tu sois le frappeur au bâton. Là, je suis frappeur au bâton. La partie commence, Monday lâche la balle à Friday, t'as frappé la balle. Moi, j'ai frappé la balle où? Dans le champ droit où se trouve personne. Ah ah! Comme ça, c'est un coup sûr! Mais non! Parce que personne n'a attrapé la balle. Ben oui, on a si personne n'a attrapé la balle, c'est un coup sûr. Je connais mon baseball. Hey, moi aussi, je connais mon baseball. Écoute, disons que la balle a roulé jusqu'à la clôture. On l'a lancé tout de suite au premier. Oui, elle est lancée par qui au premier? Par personne. C'est pas possible. Hey, c'est moi, c'est pas toi qui raconte la partie. Et là, au premier, ça pue. Ouais, ça pue au premier. Qui c'est qui pue au premier? La personne qui pue au premier. Ben, ça sent quoi? Ben, ça sent rien. Ben, tu viens de me dire ça pue au premier. Je t'ai jamais dit ça. Ben, ouais, en a, tu viens de le dire. T'ai dit quoi? Tu m'as dit ça pue au premier. J'ai dit ça pue au premier, mon gars, du premier, ça pue. Ah, ça pue, ben, chapeau l'oyard. Alors, ça pue, lance la balle à bonhomme au deuxième, pendant que toi, tu contournes le deuxième. En te voyant faire, bonhomme lance la balle au troisième qui était mécontent. Ah, il était mécontent, pourquoi? Qui ça? Ben, le troisième but. Pourquoi il serait pas de bonne humeur? Ben, je le sais pas, moi! Moi non plus! Ben, pourquoi tu dis qu'il était mécontent? Ben, j'ai pas dit ça! Le troisième but s'appelle Content, puis son prénom c'est Aimé. Il s'appelle Aimé Content. Ah, bon! Il est pas mécontent, le troisième but! Ben, non! Ah, ben, moi, je suis rendu où pour l'instant-là? Toi, tu files vers le marbre. Oui! Mais là, t'es pris en souricière entre Content, mon premier but, Chapu, puis mon receveur Friday. Ouais, puis ça finit comment? Ben, tu déjoues les trois joueurs pour filer vers le marbre. Puis je compte un point! Non!
Personne n'a eu le temps de se rendre au map avant toi et personne ne te retire. Ben voyons donc, si personne ne me retire, je compte mon point. Ben non, parce que l'arbitre du map, en voyant que personne ne te touche avec la balle, te déclare retiré. Ben ça se peut pas! Comment ça se peut pas? Parce que ça se tient pas debout! Ben c'était à toi de slayer quand t'as vu qu'il y avait personne devant toi. Écoute, comment il s'appelle ton arbitre du map? Il s'appelle Louis Boucher. Ben ton Louis Boucher, il n'y a pas seulement Louis de Boucher, il y a Vue de Boucher. T'apprendras que c'est notre meilleur arbitre. Et ça prend rire de moi, toi là? Je ris pas, toi, tu m'as demandé de te dire le nom de mes joueurs. Ben ouais, mais c'est tout mêlé, ton club de baseball. C'est pas mêlé, t'apprendras que nous autres, on joue avec symétrie. Ah, mon Dieu, un Italien. Écoute, ben, Jérôme, je veux pas jouer dans ton club de baseball. Puis je jouerai pas non plus dans ton club de hockey. Ben, écoute, ben, Gilles, je veux pas t'avoir dans mon club de baseball, puis je veux pas t'avoir non plus dans mon club de hockey. Mais pourquoi tu veux pas m'avoir dans ton club de hockey? Parce que t'es pas assez vite sur tes patins.
Ben, je pourrais te relancer la question. J'imagine que t'es venu me regarder lancer la première balle. Comment ça, messieurs? Mais c'est moi qu'on a demandé officiellement pour lancer la première balle de la saison. Je regrette, j'ai encore la lettre dans ma poche. On m'a juré que ce serait moi. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui te raconterait des histoires? Bon, tu peux être sûr que oui. René, sache que lorsque j'étais jeune, j'ai joué au baseball amateur pendant plus de 10 ans. Ouais, tu étais sûrement champion sur les doubles jeux, toi. René, mais je dois halluciner sûrement. Bon, ça me surprendrait pas, mon Pierre. Non, René, tu comprends pas. Écoute, regarde qui s'en vient vers nous. Non, c'est pas vrai. Je regrette, messieurs. Je regrette, là, je dois vous demander de regagner vos sièges à l'instant. La partie doit commencer dans 1 minute. C'est moi qui dois lancer la première balle. Est-ce que j'ai bien entendu? Quoi, c'est toi, mon Claude, qui finalement va... en vérité, je vais le dire, absolument, c'est moi. Ça faisait longtemps, vous savez, j'avais l'intention de me joindre à une équipe gagnante. Une équipe qui était capable de faire des miracles. Les Expos. Mais... mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, là? Ma foi du bon Dieu, on dirait que la partie est commencée. Mais ça veut dire, René, que quelqu'un d'autre a lancé la première balle. Ouais, puis si ma vue me trompe pas, à ce distance-ci, là, c'est... ouais, c'est vous savez qui. En effet, messieurs, au baseball, sachez qu'il n'y a pas de place pour le placotard. Faut se grouiller, peut être plus rapide que ça. Moi, Jean Maurice. Évidemment, nous venons d'entendre un thème fort connu, la bossa nova de Youpi. C'est comme ça? Comme ça que ça s'appelle? Ouais. La bossa nova de Youpi. Très beau. Très, très beau. Charmant. Par ailleurs, ce qu'il est bon de dire ici, c'est qu'on vient tout juste d'apprendre également que le thème, la musique là, de Youpi, remonterait très, très loin dans le temps. Hey, c'est extraordinaire, ça. Aussi loin que Mozart. Hey! Bon, on va écouter ça. Bravo! Bravo! Oh, ça c'était beau, hein? C'était pas mal beau. Classique, hein? Très classique. Les violons, tout ça, ouais. Eh bien, il semble que ce thème extraordinaire de Youpi s'est promené non seulement à travers les âges, mais aussi à travers la planète tout entière. En France même, au début du siècle, dans la musique de M. Ravel. On écoute d'ailleurs. Quel merveilleux boléro, le boléro de Youpi. Eh bien,
Bravo, M. Ravel. Beau travail, beau travail. Eh bien, on me dit comme dernière version, mais non la moindre. M. Beethoven était de la partie. En ce sens, inspiré également par le thème de Youpi, on pourrait même appeler cette variation la cinquième de Youpi. Mon cher Hubal, j'ai trouvé la lettre sur le lit en revenant du parc olympique. J'ai bien vu que tu avais pris tes claques et tes clics. J'ai vu aussi que dans ta lettre, tu ne ménages pas les critiques. Cette relette est une ridicule crise de jalousie, vraie comme les Phillies jouent à Philadelphie. Tu dis que notre mariage est à l'eau, ni plus ni moins que fall ball. Tu dis que tu as mal à ton orgueil de mâle et qu'il me faut choisir ou toi ou les expos. Je te ferai remarquer, mon cher trésor, qu'il n'y a pas si longtemps encore jaillissait le sport pour le tuer et que le baseball, Hubal adoré, c'est toi qui me l'as fait aimer. Tu dis que je dépasse les bornes, que c'est la raison de ton départ, de ton home run. Ta lettre n'a qu'un but, et c'est de prouver que ma passion pour les expos m'aurait changé en fanatique enragé, aussi vrai que les Dodgers viennent de L.A. Tu dis que tu as eu honte à en giguer l'autre soir quand j'ai arraché la perruque de ton frère avant de l'acheter dans son foyer allumé. Je te l'ai dit, puis je te le répète, mon homme, que je ne permettrai jamais à personne de bailler, encore moins de roter, tu l'as entendu comme moi, quand je parle de Dawson André. Tu poursuis sur ta lancée, cher papillon, en m'insultant sur ma façon de décorer la maison. C'est vrai que les nappes, les draps, les serviettes, les housses, les tapis, ma jaquette, les linges à vaisselle, les débarbouillettes et les rideaux portent tous le sigle des expos. Mais si tu savais les heures passées à tisser, à broder, à tricoter puis à macramer, t'apprécierais peut-être plus notre couvre-pied piqué. C'est vrai que j'ai vendu notre set de salon Mocha puis que je t'ai fait bâtir des estrades pour remplacer le sofa. Mais à cette heure, quand ils jouent à la TV, t'as pas remarqué comme l'ambiance a changé? Tu me renotes qu'on mange des hot dogs stimés ces soirs-là. C'est une question d'ambiance. Je viens te l'expliquer si haut, je suis pas pour te le réexpliquer si bas. Pour ce qui est de ta sœur qui a mal au cœur quand ta voix flottait dans le formol la balle frappée par Al Oliver, que j'ai mise dans un bocal au milieu de la table de la salle à manger, dis-y donc pour moi que les goûts sont pas à discuter. Pour ce qui est de moi, la bosse dans le front que m'a faite cette balle-là, j'aurais souhaité de toute mon âme qu'elle disparaisse pas. Tu poursuis ta lettre dans le style balle-fourchette, car ta jalousie t'emporte du bord de notre couchette. Tu dis que tu en as assez de m'entendre crier encore, encore, Gary, quand notre étreinte conjugale conjuguée atteint son apogée. J'avoue que quand j'ai lu ce passage de ta lettre, j'avais le cœur lourd et les mains mouettes. Je me rappelle pas d'avoir crié. C'est vague dans mon esprit, mais pourtant j'ai compris, même si tu m'en as pas parlé, que toi aussi t'avais remarqué les signaux que me faisait mon Carter Gary juste avant que Steve Rogers fasse ses lancers. Je suis pas naïve, je vois bien qu'il me regarde, je vois bien qu'il me cherche dans les estrades, mais je veux te jurer ici, Gary, Hubal, chérie, que jamais j'accepterai ses avances, ni à la première, ni à la neuvième manche. Et que si j'avais voulu qu'il soit mon amant, j'aurais flobé nos économies en me laissant entraîner jusqu'à son camp d'entraînement. Les glissades sur le matelas, c'est à Tim Raines que je laisse ça. Crois-moi, mon trésor, je suis à toi, aussi vrai que les Braves sont à Atlanta. Je sais pas si ma lettre te rassure, ta jalousie est si forte que je doute que ce soit un coup sûr. Aussi, j'ai pensé à demander l'aide d'un conseiller qui pourrait juger sans parti pris
et conclure que ma passion pour les expos est tout à fait normale et que ta folle jalousie risque de porter un coup fatal à nos 25 ans de vie conjugale? Ne vois-tu pas que ce serait absurde? Vrai comme les pirates jouent à Pittsburgh? À partir de cette conclusion, ce conseiller pourrait te proposer des solutions de nature à calmer ta jalousie de cornichon. Je lui ai téléphoné, mais j'ai dû laisser un message car on m'a répondu qu'il n'était pas dans les parages. Dès que j'ai des nouvelles de lui, je te téléphonerai chez ta mère, car je sais que c'est chez elle que tu vas coucher à soir. Nous pourrions nous rencontrer, toi et moi et lui. Quand je dis « lui », je parle de celui que toi-même tu aurais sûrement choisi. Oui, mon chéri, notre conseiller devrait être et sera « youpi ». D'ici là, laisse personne te passer dans la mitaine. Et quand ton cœur flanche, dis-toi que ta Germaine t'aime. Et quand tu désespères de toi, prends courage, car les expos sont là. Je suis sûre qu'avec Youpi, tout va rentrer dans la normale, aussi vrai que les expos vont gagner la Coupe des séries mondiales. P.S. J'achève ta veste de laine. J'ai fini le bleu, le blanc, il me reste plus rien que le rouge. Ton épouse qui t'aime, Germaine. Ou si t'aimes mieux, et pour te prouver mon appartenance, je resigne ton épouse, Madame Hubal Laprise Courtemanche. Bravo, bravo, trois fois bravo. Chers amis, laissez-moi vous rappeler que pour que ce disque, ce 33 tours se montréalise. Il a fallu la collaboration de dizaines et de dizaines d'artistes aussi talentueux les uns que les autres, qui sont sans contredit les meilleurs, puisqu'ils sont tous des Montréalais, du moins dans l'âme, et j'ai nommé Jean-Pierre Ferland, Jacques Lille-Barré, Jean-Guy Moreau, Jérôme Lemay et Gilles Matulette, sans oublier le Montréal. Bon. Sachez également que ce disque s'auto-financera grâce à votre support. Évidemment, vous allez me dire qu'il y aura peut-être un léger déficit. Je réponds dans l'affirmative. Mais ce déficit ne sera que de l'ordre de 31 $ et 18 sous. Déficit que je suis prêt personnellement et dès maintenant à combler de ma poche. Bon. Donc, bon, il semble que j'ai oublié mon portefeuille chez moi à Rosemont. C'est pas grave. De toute façon, on mettra ça sur la carte. Vous savez, chers amis, d'ailleurs, que c'est moi-même qui ai mis Montréal, les expos et tout le Québec sur la carte. Chers amis, laissez-moi vous rappeler qu'entre les expos et leurs millions de supporters, c'est un peu comme entre vous et moi, cette histoire d'amour qui dure et qui dure et qui dure.